Le littoral bulgare de la mer Noire attire de plus en plus de vacanciers de toute l'Europe. Il leur propose des conditions idéales, un climat favorable, beaucoup de journées de soleil pendant l'été, une grande diversité de stations de vacances qui ne le cèdent en rien aux plus grandes stations européennes et bien d'autres conditions pour des vacances inoubliables au bord de la mer Noire. À noter que les plages sont orientées à l'est, ce qui est très rare pour les autres plages en Europe. La côte bulgare de la mer Noire est extrêmement variée et jolie, avec de vastes plages au sable fin et doré et une mer peu profonde, idéale pour la baignade. Il n'y a pas de brusque amplitude de la température de l'air et de l'eau de mer, ni une forte humidité, seule l'agréable caresse de petites brises de mer. L'eau de mer est deux fois moins salée que celle de la Méditerranée. Palais et églises, ruines d'anciennes forteresses, le passé et le présent convergent à cet endroit pour nous rappeler qu'une vie trépidante y a existé depuis des temps immémoriaux. Haut de 70 mètres, le cap rocheux de Kaliakra est émaillé d'écueils et de grottes. Cette agglomération fut fondée au cours de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, on peut y voir les restes des trois lignes de défense de cette ville antique. La réserve de Kaliakra a été aménagée dans le but de protéger et de sauvegarder la flore spécifique, le phoque moine qui est menacé de disparition et la grande diversité du monde des oiseaux. Les manuscrits du XIIIe siècle expliquent que Kaliakra signifie un cap bon, beau et hospitalier pour les navigateurs. La ville de Balchik se trouve à 31 km au nord-ouest de Varna et elle surplombe littéralement la mer. Le palais, un des symboles de la ville, fut construit pour la reine Marie de Roumanie. Elle-même appela cette oasis de la beauté son doux nid d'intimité. Parmi les sites remarquables, il y a l'ensemble du palais, qui est composé d'un palais avec une grande tour, d'un parc avec de nombreuses esplanades, allées et tunnels, offrant une vue magnifique sur la mer, autant d'endroits de prédilection de la reine Marie. Le jardin botanique abrite plus de 3000 espèces de plantes exotiques rares et il sert depuis des années de base scientifique de l'Université de Sofia. La composition architecturale d'Albena, la vaste plage de sable fin et doré, la fraîcheur du souffle maritime et la mer peu profonde sont la marque déposée de ce site de rêve. On y a pensé à tout pour garantir des vacances reposantes et un séjour inoubliable. Les sports aquatiques, l'équitation, le tennis, le terrain de golf ne sont qu'une partie des parties de plaisir qui vous attendent les jours où vous décidez de ne pas aller à la plage. Cette station est un vrai délice pour tous les âges. Albena propose à chacun
ce dont il a besoin, dont des attractions en voiture, à vélo, au bord de bateaux à voile avec l'assistance de moniteurs qualifiés. La plupart des hôtels sont situés en amphithéâtre, à proximité de la mer et au sein de petits parcs et jardins. Bref, toutes les conditions y sont réunies pour des vacances reposantes et des souvenirs inoubliables. Sans oublier non plus le rallye automobile Albena, qui a lieu chaque année au mois de mai. Au mois d'août, vous pouvez vous tremper dans l'atmosphère bulgare au festival de chant et de danse folklorique Dobruja. Le festival des programmes de télévision L'Antenne d'Or, le championnat de bridge en juin et de beach volley en juillet sont les autres accents du calendrier d'été d'une des plus prestigieuses stations de vacances bulgares. Situé dans un golfe pittoresque et écologiquement propre dans la partie nord du littoral bulgare de la mer Noire, la station maritime des Zlatni Piasatsi, les Sables d'Or, n'est qu'à 18 km de la ville de Varna. La station propose aux vacanciers la gamme complète des distractions d'été, beach volley, location de jet et de hors-bord, épreuves de parachutisme, sports extrêmes. La plage de la station est longue de 3,5 km et atteint par endroits 100 mètres de largeur. Elle a la renommée d'une des meilleures plages de sable en Europe. Outre les boissons rafraîchissantes, il y a aussi le massage relaxant à même la plage qui peut vous aider contre la chaleur. Le complexe touristique des Zlatni Piasatsi s'étend sur une superficie de plus de 170 hectares. La majeure partie du parc naturel est conservée telle qu'elle, l'homme n'y ayant pas touché. La proximité de la mer, le doux climat et la brise marine ont fortement influencé la flore et la faune du parc, ce qui le distingue des autres parcs nationaux. Des établissements de restauration en commun, de sport et de distraction peuvent être trouvés non seulement en bordure de la plage, mais aussi dans la verdure luxuriante de la forêt. Ce magnifique massif forestier abrite de nombreux hôtels, construits suivant les normes européennes et proposant toutes les commodités, tant pour le repos que pour l'organisation de conférences et de séminaires. Au nord de la ville de Varna se trouvent les stations maritimes mondialement connues Slančevden, journée de soleil, Riviera et le palais d'Oxinograd, qui proposent des conditions idéales de repos, de sport et d'hydrothérapie. La ville de Varna se trouve dans le golfe du même nom, à environ 470 km à l'est de Sofia. Varna est la plus grande ville sur le littoral bulgare de la mer Noire et elle est connue aussi comme la capitale maritime de la Bulgarie. Située en amphithéâtre, la ville suit à merveille les contours de la rive. Les dauphins sont une des attractions préférées des visiteurs et des enfants de Varna. Ils y assistent régulièrement à de magnifiques spectacles. L'église de la Sainte Vierge est considérée comme l'emblème de Varna. La forêt pétrifiée est un des sites naturels remarquables des environs de Varna.
Formé par l'érosion il y a environ 50 millions d'années, nombre de ces rochers qui semblent plantés dans le sol ont des formes zoomorphes et anthropomorphes et ils furent des lieux de culte pour les tribus qui peuplaient autrefois cette région. Aujourd'hui, la forêt pétrifiée est un site touristique fort intéressant qui accueille souvent le tournage de séquences, de films d'histoire et d'aventure. L'embouchure de la rivière Kamtchia est un des sites les plus jolis du littoral bulgare de la mer Noire. Elle se trouve à 34 km au sud de Varna. Qualifiée par de nombreux touristes de « petit coin du paradis » et des contes de fées, ce site charmant abrite plus de 40 espèces de beaux arbres, de nombreuses espèces de buissons et d'arbustes et de rares espèces de nénuphars. La ville de Nessebar est située sur une petite presqu'île reliée au continent par une étroite bande de terre ferme. Elle se trouve à 37 km au nord-est de Burgas. Ce qui fait la gloire de Nessebar, ce sont ses nombreuses églises. Construite au début du 5e siècle, au bord de la rive, la basilique est parmi les plus anciennes. Nessebar est aujourd'hui une des stations maritimes bulgares préférées. De nombreux hôtels modernes et maisons de repos y sont construits et des travaux de restauration sont entrepris dans des maisons et des édifices d'une grande valeur culturelle et historique. Nessebar a son port pour les bateaux de plaisance et on peut y louer un yacht pour une croisière le long des côtes bulgares de la mer Noire. Slančev Brjeg, la côte du soleil, est une grande station de vacances qui se trouve dans le secteur sud du littoral, à 6 km au nord de Nessebar et à 42 km au nord-est de Burgas. Slančev Brjeg jouit d'une renommée internationale et de mai à la fin septembre, la station accueille de nombreux vacanciers bulgares et étrangers. Slančev Brjeg est plein d'établissements typiques, chacun d'eux ayant son programme d'attraction. La station dispose aussi de cours de tennis, de piscines, de bowling, de terrains de mini-golf, de toboggans et autres jeux et sports aquatiques, d'un centre d'équitation avec des moniteurs expérimentés et de quelques grands centres commerciaux. Ce qui fait le charme de Slančev Brjeg, c'est la combinaison de villas à un ou deux étages et de grands hôtels. Une partie d'entre eux se dresse à même la plage et chacun d'eux propose à ses clients tout un choix de spécialités et de fruits de mer. À l'intérieur, le confort rivalise avec les solutions originales. La ville de Pomorje est située sur une presqu'île qui avance à 5 km dans la mer. Pomorje est connu aussi comme un important centre de balnéothérapie. Il y a un lac de boue curative découvert au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Bourgas est la deuxième ville maritime de la Bulgarie et le principal port sur le littoral sud de la mer Noire. Sosopol est peut-être la plus ancienne des localités sur les bords de la mer Noire. La ville fut fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Apollonia. Les vicissitudes du temps, au cours de son histoire plusieurs fois séculaire, n'ont rien enlevé à la vitalité de la ville. Aujourd'hui encore, ses musées conservent les signes de son glorieux passé. Les maisons en bois et les ruelles étroites nous transportent dans une autre époque. Justement, dans le vieux Sosopol, on peut passer la nuit dans une des vieilles maisons uniques en un genre. Les traditionnels restaurants côtiers s'étendent tout au long de la plage. Leur terrasse offre une vue magnifique sur la mer. Plus au sud, le littoral bulgare de la mer Noire se poursuit par le village de vacances d'Uni, les Dunes, avec ses coquettes villas à deux étages, suivent des îlots des vacances tranquilles comme Primorsko, Lozanets et Kitene, ainsi que, situés le plus au sud, les petites villes de Tsarevo et Aktopol. Sinemorets est situé au cœur même d'une réserve unique qui englobe la côte de la mer Noire, avec ses nombreuses baies et criques, et les versants de la montagne Stranja. La station propose à ses clients des hôtels modernes et pleins de divertissements, avec aussi des animateurs disponibles à tout moment. Côté distraction, on en a l'embarras du choix sur le littoral bulgare de la mer Noire. Parmi les plus attrayantes, il y a bien sûr la visite d'un parc aquatique ou d'autres centres de divertissement dans toutes les stations maritimes. La commodité de nager, de prendre ses repas et de s'amuser au même endroit convient beaucoup à une grande partie des vacanciers bulgares et étrangers. La plupart des restaurants proposent un menu très divers, mais il y en a aussi qui sont spécialisés, par exemple dans la cuisine nationale, ou les poissons et fruits de mer, ou encore la cuisine chinoise, méditerranéenne, arabe ou indienne. En outre, vous pouvez participer aussi à des dégustations de vins et de spécialités typiques de la région. Dans nos stations maritimes, les nuits sont non moins animées que les journées. Il y a des divertissements pour tous les vacanciers, pour les vacanciers de tous les âges, des bars et cabarets de grand luxe, au plaisir des discothèques à ciel ouvert sur la plage.
le littoral bulgare de la mer Noire offre aux touristes des conditions aussi variées qu'attrayantes de vacances d'été. La combinaison de stations modernes et de conditions climatiques favorables garantit des vacances inoubliables en Bulgarie.